Bonsoir. D'accord, aujourd'hui on va commencer un cours introductif. Donc, sur les différentes notions de la statistique descriptive. Statistique. Nous allons faire un cours de statistique aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par définir certains concepts. Le premier mot qu'on utilise est très fréquent, c'est la notion de population. On va se demander ce qu'on appelle population. Alors, une population, c'est l'ensemble sur, c'est l'ensemble des éléments auxquels se rapportent les études. Se rapportent les études. Bien, on mettra les données étudiées. Donc, se rapportent les données étudiées. Mais d'autres diront c'est l'ensemble sur lequel se portent les études. Donc il y a beaucoup de types de définitions que l'on peut donner. Elle n'est pas unique. Après la population, il y a ce qu'on appelle l'échantillon. L'échantillon, pour le comprendre, c'est une partie de la population. Là, c'est une partie, un sous-ensemble. C'est une partie de la population. Qui est caractérisé par un effectif. Quand tu dis partie, tu as un élément. Donc, si tu as un échantillon, il faut que tu aies un élément. Si tu as un élément, tu as un échantillon. Donc, quand je dois parler d'échantillon, il me faut un caractère numérique. Obligatoirement un caractère numérique. S'il n'y a pas un caractère numérique, ce n'est plus un échantillon. Ce n'est plus un échantillon. Maintenant, après la notion d'échantillon, il y a aussi ce qu'on appelle un indice. Vu. Ou bien aussi on l'appelle unité statistique. Individu.
ou unité statistique. Lolu mom ñep xam nañ ko. Individu moy ben nit, donc c'est un élément de la population. Un élément de la population ou de l'échantillon. Ce qu'on appelle individu ou unité statistique. Donc ça doit être au singulier. Donc c'est un élément de la population. Je me voulais faire une statistique descriptive. Je veux dire fondamental. Lo xamantene dafa fondamental, c'est ça qu'on dit que c'est obligatoire, ça tu dois le connaître. Dans tous les exercices qu'on peut vous donner en statistique descriptive, c'est le minimum qu'il faut savoir. Voilà. Donc, après unité statistique, on va maintenant passer aux notions de caractère. Un autre mot très fréquent qu'on vous donne. Mais avant de faire les notions de caractère, je voulais faire un exemple, mais c'est pas grave. Allons-y. Faisons les notions de caractère d'abord, avant l'exemple. On veut savoir qu'est-ce qu'on appelle caractère. C'est un aspect particulier de l'individu auquel vous vous intéressez. C'est un aspect ou bien un trait. Lo xamantene man ci lool lay étudier ci individu. C'est un aspect particulier d'un individu auquel on s'intéresse. Auquel on s'intéresse. Un instant, j'arrive. Ça va? Ça va. Et travaux? Ça va. C'est bien sorti, non? Ouais. D'accord. Auquel on s'intéresse. D'accord. Auquel on s'intéresse. Par exemple, je m'intéresse au poids de Diop. Je m'intéresse à la taille de Diop. Je m'intéresse au salaire de Diop. C'est ça qu'on appelle caractère.
lo xamantene lolu moma intéressé ci nit ki waaw ce qu'on appelle caractère waaw maintenant la valeur d'un caractère ce qu'on appelle moralité. C'est la valeur d'un caractère. Donc, ce sont les différentes valeurs. Différentes valeurs d'un caractère, que peut prendre un caractère. Légi xam nga suma waxé la taille je peux dire 1 mètre 2 mètres 3 mètres 4 mètres c'est ça qu'on appelle modalité quand je parle du sexe je peux dire ça c'est le masculin et ça c'est le féminin. C'est ça qu'on appelle modalité. Maintenant, on parlait de caractère tout à l'heure. On a défini ce qu'on appelle une modalité. Ouais. Alors, les caractères sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les caractères quantitatifs. Il y a ce qu'on appelle des caractères quantitatifs. Alors, le caractère quantitatif est très simple à définir. C'est un caractère est dit quantitatif s'il est lié à une observation pouvant faire objet de mesure. C'est ça qu'on appelle caractère quantitatif. C'est lorsqu'elle est liée à une observation, et cette observation-là, on peut la mesurer. On peut dire observation, c'est ça qu'on appelle caractère quantitatif. Maintenant, elle est qualitative. Ça, je ne vais pas aller l'écrire trop, sinon je vais beaucoup écrire. Caractère qualitatif.
le caractère est dit qualitatif si elle est reliée à une observation. Mais cette observation-là ne peut faire objet de mesure. Retournez la vidéo et écrivez ces définitions-là. Maintenant, quand on parle de caractère quantitatif, en aide de deux sources. Elle peut être discrète, le caractère quantitatif. Discret veut dire les modalités du caractère ne prennent que des valeurs qui sont isolées. Par exemple, mon âme 1, mon âme 2, mon âme 3, mon âme 4, mon âme 5. Je ne peux pas avoir un nombre africain. Non. Dans ce cas-là, ce n'est plus discret. Un caractère est dit discret lorsque ces modalités ne prennent que des valeurs ou des chiffres non décimales. Voici ce qu'on appelle un caractère discret. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle un caractère continu. Caractère continu, c'est un caractère dont les modalités peuvent prendre toutes les valeurs dans un intervalle de l'ensemble des réels R. Ça veut dire c'est un caractère, exemple, où on a ça de tel à tel. On va lire intervalle du type AV. Donc, on a quel valeur, yep, qui est intervalle. On a quel 1, 1,5, 1,7, 1,8. On a quel intervalle. C'est ça qu'on appelle caractère quantitatif continu. Oui. Maintenant, nous allons faire un exemple de tout ça. Prenons un petit exemple ici, avant de passer sur les calculs. J'ai dit, les salaires des 1000 salariés, des 1000 employés, mettons employés,
d'une entreprise. Population vie la bougram. Je veux connaître la population. Je mets deux points. Je dis c'est l'ensemble. Un mot obligatoire. L'ensemble. C'est l'ensemble des employés. D'accord. L'ensemble des employés. Parce que l'étude se porte sur les employés d'une entreprise. Des employés. Et tu dis fou, Frankref. Ça veut dire que demain, il dit 1000 bi. Si j'enlève 1000, il va me rester seulement employés. Donc, je dis, c'est l'ensemble des employés. C'est ça la population. C'est l'ensemble sur lequel se portent les études. C'est l'ensemble sur lequel se portent les études. Maintenant, ensuite, l'échantillon, c'est quoi? C'est une partie de la population. Donc, une partie, il faut m'en nombre bi. Donc, comme il faut m'en nombre bi, j'ai dit, bon, c'est les 1000. Il est obligatoire là, parce que bien sûr non correct, c'est pas une échantillon. C'est les 1000 employés. Vous voyez que entre échantillon et population, il n'y a pas une grosse différence. La seule différence, c'est le caractère numérique. Mais attention, pour la population, il y a un mot qu'on a mis. Il ne faut jamais, jamais oublier. C'est l'ensemble. Donc, pour avoir l'échantillon, j'efface ensemble, je mets 1000. Oui, 1000 employés. Donc, première chose à pouvoir faire en statistique, c'est de savoir déchiffrer ces deux-là. Maintenant, quelle est l'unité statistique? L'unité statistique ou individu? Ça doit être au singulier. Je dis un employé. Un employé. Voici l'individu. C'est un élément. Un seul et unique élément de l'échantillon ou de la population. Voilà. Ensuite, on me demandera quel est le caractère. Ouais. Le caractère. Le caractère.
c'est l'aspect. Auquel on s'intéresse sur un employé. Un employé, on s'intéresse à son salaire. Donc on dira le caractère étudié, c'est les salaires. Les salaires. C'est ça le caractère. Bien, le salaire. Puisqu'on a un caractère. Le salaire. C'est ça qui est le caractère. Maintenant, si le salaire prend des valeurs numériques, on dit que le caractère est quantitatif. Lorsque ça peut prendre des valeurs numériques isolées seulement, on dit que le caractère est quantitatif mais discret. Mais lorsque ça prend des valeurs numériques sur l'étendue d'un intervalle, on dit que le caractère est quantitatif mais continu. Maintenant, il y a une question qui a été posée dans votre TD. Après avoir écouté cette vidéo-là, tous les exercices, vous allez me rendre au niveau du forum de partage. Cette vidéo-là contient toute la réponse, toutes les réponses à vos questions. Il faut que ce soit clair. Bon, vous le connaissez déjà, parce que moi, vous savez que je ne fais pas les TD. Je fais seulement des cours. Maintenant, le reste, c'est vous-même qui le faites. C'est pas moi, non, jamais. Moi, je ne touche pas à la craie. Je vous donne ce que vous avez besoin. Point barre. Maintenant, le reste, c'est vous-même qui le faites. Voilà. Donc, exercice. Votre fiche de TD, exo 1, à rendre au niveau du forum de partage du groupe 8 uniquement. Maintenant, pour les autres, vous pouvez aussi m'envoyer ça par WhatsApp si vous voulez. Hein? Ouais. Maintenant, comme les gosses là, ils font beaucoup de WhatsApp. Vous pouvez envoyer ça par WhatsApp si vous voulez. Et puis c'est très pratique, hein. Les étudiants m'ont enseigné ça. Ils photographient, ils m'envoient. 77 958 79 05. Et c'est tout. Je vous corrige et je vous rends. Pour ceux qui ne font pas partie du groupe. Maintenant, pour ceux qui font partie du groupe, vous me remplissez le forum de partage. Vous photographiez. Vous revenez au niveau envoyer message. Vous joignez là-bas le papier. Il y a une flèche qui indique le bas, en bas, en bas, en bas. Une flèche bleue, je ne sais pas, qui indique le bas. C'est là-bas. Vous joignez le papier et vous m'envoyez ça. Comme moi, je vais le faire avec cette vidéo-là. Ouais. Donc, voici un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Ensuite, on va passer aux différents calculs qui existent. Ouais. Les différents calculs qui existent. Alors, les différents calculs qui existent, on commence par, cette fois-ci, les caractères
qualitatif. Caractère qualitatif la ñu commencé parce que xam nañ ni ñoñu ñoo gëna yom. Légui nak mom dañuy tracé mu ça va nous servir de faire une petite pause. Vous prenez en même temps la pause le temps que je trace et que je finisse. Ici, vous mettez modalité, les modalités du caractère. Et à chaque fois, avec cette case-là, vous la remplissez par X, Y. Ce qui fait que ici, vous avez X1. Vous avez fini ici, X2, vous avez fini ici, X3, ainsi de suite, jusqu'à Xn. Là, vous mettez le total. Ensuite, cette partie, c'est les effets, les effectifs. Donc, ici, on aura N1, on met ça après NI. Ici, vous mettez N2. Ainsi de suite, jusqu'à ici N de N, et le total, d'accord, N, qui n'est rien d'autre que la somme des NI, pour I allant de 1 jusqu'à N. Ensuite, ce qu'on appelle les fréquences relatives, ce que vous mettez ici, fréquences relatives. Fréquence relative. Vous le notez comment? Par grand F, I. Non, petit F, I, du moins. Voilà. Alors, comment on le calcule? Et là, je vais mettre quoi? N1 sur le total N.
ici je mets N2 sur le total N. Ainsi de suite, là je mets NN, N sur le total N. Normalement, quand on fait la somme, on doit trouver 1. Voici dans le caractère qualitatif ce que l'on peut faire. Par exemple, prenons un exemple. Voilà. Par exemple, prenons le niveau d'études. Alors, je dois faire ça comme ça d'abord. Ça, c'est exemple. Ici, on va mettre les effectifs, comme ça. Ici, on va mettre les modalités. Alors, le caractère, on va mettre niveau d'études. On commence par primaire, par exemple, on va mettre primaire, secondaire, et supérieur. D'accord? Ici. Là, voilà, et on va compléter ici, voilà. On va mettre le total. Ici, on met le total. Oui, total. Un instant. Voilà. On revient encore. Ici, on met le total. Ici. Les effectifs, on les note NI. Ici, on va mettre FI. NI, c'est les effectifs. FI, la légende, c'est NI divisé par N le total. Ici, j'ai 15 personnes. Ici, j'ai 12 personnes. D'accord? Et ensuite, pour le supérieur, j'ai 73 personnes. Le total, je fais 15
cousin. Plus 73. Je pense que ça me donne 100. Pour que les calculs soient très exacts. Avec les exercices que vous me rendez, mettez-moi tous les calculs à 3 chiffres après la virgule. Je vous expliquerai comment on arrondit. Parce que c'est fondamental. Donc ici, pour avoir la première fréquence, 15, un instant encore, d'accord. Alors, celui-là, c'est égal à 0,15. Ensuite, pour le second aussi, 12 divisé par 100. Ceci est égal à 0,12. Et enfin, 73 que vous diviserez par 100. Ceci vous donne 0,73. Maintenant, 0,73 plus 0,12 plus 0,15 vous donne 1. Raison pour laquelle on dit que la somme soit de nous donner 1. D'accord? Donc, voici dans le cas. Un instant. Voilà. Comment on fait pour remplir la table? Maintenant, ensuite, pour faire la représentation graphique de la variable qui est qualitative, on fait ce qu'on appelle un diagramme en bande. Et le diagramme en bande, pour le construire, c'est pas compliqué. Alors, construisons le diagramme en bande. Diagramme de la distribution, c'est toujours le diagramme en bande ici, dans le cas où nous sommes. Diagramme à bande. Alors, on fait comme ça. Mm-hmm.
là. Vous mettez les NI, les effectifs. Là, vous mettez le caractère, le niveau. On choisit une échelle. Centimètres pour 10, par exemple. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et vous les montrez. Choisis une bande. Ce kit-là, jusqu'ici, je dis que ça c'est une bande. L'effectif, le premier effectif, c'est 15. Alors, 15, c'est à peu près ici. Je remplis avec cette couleur, voilà. 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 Ensuite, on colorie. Ça, c'est le primaire, 15. Ensuite, si je veux, je fais un petit décalage. Un instant. Allô, oui? Oui, oui. Ok, merci. Ensuite, je fais un petit décalage. Exemple 1, 2, 3, par exemple, ici 4. Je commence ici. Mais je vais encore, regardez bien, prendre la même longueur ici. Là. Cette longueur-là, je la reprends. C'était combien? Un carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je comptabilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est pas ici, si je me trompe. Ça doit être les mêmes. Voilà. Ici, c'est là. Maintenant, ici, c'est 12. 12, bon. Ma figure, Santi Diop, vraiment ma figure, Santi Diop là. Alors, à peu près ici,
Bon, ici, hein. Santou Diop, vraiment Santou Diop. Ici. Ouais. 12. D'accord. Je mesure là-bas, 12, ça fait 1,2 cm. Et, stras. Ouais, ma figure Santou Diop, ici. Là. Voilà, ma figure est vraiment Santou Diop, hein. Ensuite, là aussi, je colorie. Ça, c'est secondaire. Ensuite, je veux le supérieur. Je décale encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le décalage doit être égal. Ensuite, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près ici. D'accord? Les bandes doivent être de même largeur. D'accord? Ensuite, elles doivent être espacées pour ne pas que ça ressemble à ce qu'on appelle un histogramme. Voilà. Alors, ici, c'est combien? 73. Bon, Santou Diop, Santou Diop, Santou Diop. On va prendre ça ici. Par exemple, hein, bon, c'est une représentation graphique seulement, hein, c'est pour vous montrer aussi comment on fait. Je pense que c'est par ici. À mon avis, je devais commencer ici. Voilà. Ensuite, là. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite, on colorie. Ça, c'est super. Supérieur. Voici comment on construit un diagramme en bande. Et enfin, pour terminer, il vous faut le titre. Deux points. Vous mettez diagramme en bande. Diagramme à bande, c'est à bande, hein? Voilà. Donc voici comment on construit diagramme à bande. Alors lorsqu'il s'agit d'une distribution qui est de caractère qualitatif, on ne peut construire que le diagramme en bande ou bien ce qu'on appelle aussi le graphique à secteur. Là, on aura besoin des angles. Et pour avoir les angles, il faut tout simplement faire 360 multiplié par la fréquence. Alpha I égale à 360 degrés. Que vous multipliez par la fréquence FI. Ça vous donne la valeur angulaire en degrés. C'est en degrés. Ça vous donne la valeur angulaire. Donc, pour l'exercice d'application aussi, vous allez essayer de me construire le graphique en secteur de la distribution qu'on vient de faire. Et ensuite aussi, avant de terminer, vous prenez votre travaux dirigés vous me faites
L'exercice 1, comme je l'avais dit, vous me reprenez l'exercice d'application avec une construction correcte. D'abord, vous faites le diagramme en bande, ensuite, vous faites le diagramme en secteur, à secteur, le graphique à secteur. Ensuite, vous me prenez l'exercice 2 du TD. Mais pas n'importe quel 2. C'est le deuxième exercice 2 qui représente normalement l'exercice 3. Vous allez me le faire et me le rendre au niveau du forum de partage. Pour ceux qui ne sont pas du groupe, vous pouvez me l'envoyer sur mon mail dolansen@yahoo.fr. dolansen@yahoo.fr. Ou bien vous photographiez et vous m'envoyez ça par WhatsApp à la mode. 77 958 79 05. Et c'est le premier cours, mais comme vous me connaissez déjà et on se connaît déjà, c'est pas la peine qu'on dise c'est qui. Alors, c'est Moussa Sène. À très bientôt et bon courage. C'est ça.